tries to blind her eyes. Oh, we're dancing forever under the beautiful skies. Somewhere over the ocean, a spark just to ignite. I'm stuck in my hometown, waiting for your reply. There's no sound, only silence. You could change everything tonight. And this is your chance to do something right. Something right. And photos that remain, still lost in oblivion, no one to show the way. Oh, climbing a mountain to reach my highest goals. You'll never understand how I saw you adore. All I see is darkness. There's no sound, only silence. You could change everything tonight. And this is your chance to do something right. Something right. Thank you.
but pour le Paris FC, but du numéro 11, Alan Carnela. Additionnel, une minute minimum de temps additionnel. Mi-temps sur le score de 2-1 pour le FC Paron. On revient en quelques instants pour la seconde période. A tout de suite. Thank you.
Eh bien, une bonne fin de saison, parce que vraiment, une très belle équipe. Bravo à vous. Vous avez bien chahuté, les amis. Bon retour, amis paronnais. Et puis, bien sûr, pour les supporters de Racing Besançon, eh bien, l'aventure continue, on continue jusqu'au bout. Il reste encore, il y a 7 finales. On va aller la chercher. Merci à toutes et à tous d'être venus. On vous donne rendez-vous eh bien, tout prochainement ici pour le prochain match. Effectivement, on va bien sûr vous donner le programme des prochaines rencontres. Avec notamment le prochain match de championnat pour les hommes de Jean-Marc Trinita. Ce sera samedi 16 avril à 18h avec un déplacement chez la réserve de Dijon pour le compte de la 20e journée. Et puis les coéquipiers de Chris Malunga recevront Saint-Apollinaire le 23 avril prochain à 18h au stade Léo Lagrange pour le compte de la 21e journée. Excellente soirée à toutes et à tous. Bon retour, vive le sport, vive le Racing. Salut.